Bien le bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo sur Cities Skylines, jeu de construction SimCity-like. Hein. Alors là, oui, c'est un clone de SimCity, mais en mieux. Voilà, je le dis, j'en ai rien à foutre. Voilà, Cities Skylines, si on le compare à SimCity, je préfère largement ce jeu, même si je viens tout juste de le télécharger et de le lancer. Graphiquement, il est génial. La circulation est beaucoup mieux gérée, mais alors là, il n'y a pas photo. La gestion des routes, etc., c'est absolument génialissime, il n'y a pas d'autre mot. Les industries, on peut les spécialiser, etc. Enfin, on peut faire tout un tas de trucs. Là, c'est une découverte. Là, je découvre le jeu. Je viens de le télécharger, il vient de sortir. J'ai commencé à faire ma petite ville, etc. J'ai commencé à faire mon petit truc. Là, j'ai trouvé ce petit rond en route plutôt sympa. Je l'ai posé, tout ça. Et pour l'instant, je suis dans le vert. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc, c'est une petite vidéo, donc présentation, découverte, etc. Et aussi pour savoir si ça vous intéresserait un petit let's play, entre guillemets dessus. En même temps que celui d'Homeworld qui n'est pas terminé, vous inquiétez pas, hein, Homeworld continue. Mais pourquoi pas en avoir un deuxième en route sur Cities Skylines, qui est un tout autre jeu, qui n'a rien à voir, mais justement, comme ça, ça peut contenter un peu tout le monde. C'est August, un abonné, hein, qui m'a donné l'idée, il m'a dit pourquoi pas faire un petit let's play dessus, du créer ta ville, etc. Et ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas créer sa ville de A à Z. Vous me donnerez des conseils en commentaire. Vous me direz, tiens, vas-y, construis ça, je le ferai. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà, j'en appelle à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pourquoi pas, petit display dessus, tranquille. En attendant, je vais continuer vite fait sur cette ville. C'est parti. Bon, regardez-moi ça, graphiquement. Il est beau, franchement. Les voitures et tout, elles sont trop bien gérées. On dirait un mélange entre Tropico et SimCity, en fait. Je sais pas. Enfin, franchement, bon, c'est clairement... Regardez, il y a les zones commerciales, zones industrielles, zones résidentielles. Donc c'est clairement... voilà, quoi. C'est presque un clone. Mais niveau gestion et tout, il est déjà un peu plus complexe. Par exemple, pour l'électricité, là, ça passe pas dans les routes. Hein. Là, ça, faut vraiment faire les pylônes, etc. Faut essayer de gérer tout ça. Ce qui est quand même beaucoup plus poussé. Hein, que... Bon, on va arrêter de faire des comparaisons. Là, je vois qu'il n'y a pas d'eau, ici. Merde, ça me fait chier, ça. J'ai mal géré mon coup, là. J'ai mal géré mon coup. Alors... Le souci, c'est que les tuyaux, ça coûte de l'argent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire celui-là. Voilà. Essayer de gérer un peu mieux en mettant le tuyau ici. Voilà. Donc, vous voyez, hein, faut quand même faire attention à comment on construit telle ou telle chose. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. Bon, allez, on va faire une petite décharge parce que là, les poubelles, ça commence à déborder un peu partout, j'ai l'impression. Zou, on va faire la décharge ici. Hop, voilà. Je pense qu'après, voilà, les camions de poubelle sortent. Les camions de poubelle sortent, c'est très bien. On peut le suivre. Comment on fait pour suivre? Ah! Je sais pas comment on fait pour suivre. Donc là, voilà, il charge 1%, donc il récolte les poubelles au fur et à mesure qu'il passe devant les bâtiments, donc c'est parfait. Parce qu'il n'y aura pas besoin d'autant de camions de poubelle, hein, je pense que ça passera nickel. Niveau revenu, plus 1000, nickel. Plus 1043, donc pour l'instant tout va bien. Réclamation résidentielle. Ah, ils veulent de la résidence. Ah, ils en veulent. Ils veulent du résidentiel à mort. Là. Allez, c'est parti, on va refaire une petite zone. Ouais, ça va être galère, je vais juste faire ça en fait. Alors j'aurais bien... Je vais voir si je peux pas rejoindre ici, ça pourrait être sympa. Non, il y a le pylône et tout, tant pis, je ferai ça plus tard, je vais juste faire ça. Hop. Parfait! Ils vont être contents, là. Ils vont être contents.
Donc là, comme je le disais, c'est une totale découverte. Il y a plein de choses que je ne connais pas, plein de choses que je ne sais pas, mais j'espère apprendre très très vite. Là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette icône? Ça veut dire que c'est... Oh, attendez, on va me le dire normalement. Il fonctionne normalement, ouais. Ah, voilà, pas assez d'employés. Donc c'est pour ça qu'ils réclament du résidentiel. Il n'y a pas assez d'employés pour toutes les boutiques et les industries que j'ai faites. Mais là, ça devrait aller un peu mieux, normalement. On va voir niveau flotte, c'est couvert. Niveau électricité, c'est couvert, c'est parfait. C'est nickel, voilà, c'est bien. Ah, et de toute façon, les maisons entre elles font les jonctions. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est détruire plusieurs pylônes qui ne me servent plus à rien. Parce que tout simplement, les maisons font les jonctions entre elles. Donc c'est très bien comme ça. Toi, tu me sers à rien, toi, tu me sers à rien. Voilà. Ça me fera des économies. Tac. Ah bah je vais peut-être pouvoir faire la jonction avec la route du coup. Celui-là je vais le laisser parce qu'il va directement au... à la station de pompage. Par contre toi j'ai de supprimer. Toi aussi. Voilà. Parfait, on va laisser comme ça pour l'instant. Je vais faire vite fait la jonction avec la route. Ici. Non. Voilà, ici, est-ce que je peux? Nickel. Parfait. Là, je vais pouvoir remettre une petite zone résidentielle tranquillou pépérou. Voilà. C'est parfait. Alors, nouveau service. N'oubliez pas de jeter un oeil au nouveau service. Ah oui, j'ai débloqué des services. Parce que oui, on a plusieurs étapes. Là, petit hameau, atteindre une population de 500 et ça débloque des trucs. C'est comme ça qu'on débloque les bâtiments. Là, la prochaine fois, quand j'arriverai à 1000 de population, je pourrai avoir... une nouvelle zone, je pourrais faire des quartiers, des trucs politiques, spécialisation d'industrie. Franchement, il est poussé à mort. Oui, donc c'est grosso modo le même principe que SimCity, on a une limite. Sauf que on va pouvoir acheter d'autres parcelles de terre et la ville sera gigantesque au final. C'est ça qui est bien. On a pas vraiment. Oh là, électricité ça pue du cul là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pas assez de consommation, va falloir que je rajoute au moins une éolienne. J'essaierai de rajouter... Ouais, je pense que ça ira comme ça. Ouais, c'est bon, c'est retourné dans le vert. Qu'est-ce que... Alors ça, c'est quoi ça? Centrale à charbon. Utilise du charbon pour produire de l'électricité, créer une pollution importante. D'accord. Pollution 50, pollution sonore 50. Donc ça, il faudrait que je le mette en zone industrielle. Oui. Les services. On va tout de suite faire une clinique médicale, parce que là, voilà, il commence à y avoir des gens qui se sentent pas très bien. Donc, espace déjà occupé, non. Hop, clinique médicale, les gens sont contents, c'est nickel. De nouveaux services, alors qu'est-ce que j'ai de beau là? De l'éducation, par contre ça coûte un peu cher, je vais attendre un peu. Parce que là, ouais, ça... Là je commence à être... Bon, les employés arrivent, vous inquiétez pas. Ah voilà, atteindre une population de 1000, c'est bon, c'est fait. Désolé pour le petit bruit de Facebook, c'était moi. Donc j'ai débloqué la police, les pompiers, les bâtiments uniques. Je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des... Bah, ça doit être des bâtiments, hein. Bâtiments uniques. Ok, c'est des attractions touristiques, ok. Spécialisation agricole, forestière, consommation d'énergie. Et là, ça c'est une nouvelle politique, d'accord. Caserne de pompiers, commissariat, c'est parfait. Donc, les politiques, consommation d'énergie, tout ça. Donc là, normalement, je vais pouvoir faire des quartiers. On va tenter de faire les quartiers. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Industrie forestière. Voilà, on peut par exemple, si je prends industrie agricole et que je vais faire un quartier... Je vais essayer. Je vais prendre industrie agricole. Je vais englober, grosso modo, la moitié... Alors, comment on fait? Rappelez-vous de jeter un oeil, hein. Ouais, quartier, ok. On peut pas? Comment on fait? Attendez, nouveau bâtiment, d'accord. Peindre un quartier. Créer ou refaçonner un quartier en peignant le domaine. D'accord, faut d'abord le peindre, apparemment. Et après, on peut le spécialiser. Ok. Donc, je le peins, hop. Faut le remplir, hein, bien sûr.
Voilà, et donc là, si je fais spécialisation agricole, voilà, il y a l'image du petit tracteur. Par contre, la terre a été un peu polluée, j'espère que ça va pas trop nuire au truc, j'espère qu'ils vont pouvoir faire des champs, tout ça. Je vais tout spécialiser en agricole. Parce que le problème... Et je vais mettre la décharge ailleurs. Parce que le souci, c'est que si je pollue trop, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc là, la décharge. Le bâtiment n'est pas vide. Je peux pas la détruire? Apparemment, je peux pas la détruire. J'espère que ça va pas trop polluer. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Bâtiment industriel. Non, je sais pas si ma... Putain, y a le feu. Non, je sais pas si ma spécialisation agricole a marché, mais j'ai un gros doute en fait. Je crois que les terres ne sont pas cultivables ici, en même temps, vu comment elles sont crades. Donc, non, j'ai fait une connerie. Effacer un quartier. Industrie générique. Voilà. Industrie générique. Voilà. On va le laisser en industrie générique. Ils vont cradosser toute la terre là. Bon, va falloir faire une caserne de pompiers parce que là ça commence à sentir le cramer. C'est combien la caserne? 12 000. Ok. Peut-être la faire à mi-chemin entre l'industrie et le résidentiel. En plus, il y a pile poil la place, c'est parfait. Voilà, petite caserne de pompiers. Voilà, il y a le feu les gars, allez, c'est parti là. Allez, allez, go, go, go. Oh, il y a le feu ici, putain, je l'ai pas vu. C'est ça, les gars. C'est un ouf, lui, il va tout seul. En train d'éteindre le feu. Bon, j'espère que j'ai pas tout qui va cramer. Bâtiment abandonné. J'ai l'impression que l'industrie, ça marche pas très très fort. Hein. Abandonné, abandonné. On va laisser ça se développer. Bon. Le bâtiment là il va cramer. On va laisser tout ça se développer tranquillement parce que là il y a quand même du résidentiel. Normalement ça devrait se développer un peu plus vite. On va accélérer le temps. Qu'est-ce qui se passe là? Ça crame aussi là? Ah, ça a cramé, d'accord. Bah, les pompiers ils font un peu de la merde là, j'ai l'impression. Bon, allez, détruis ça. Voilà. Il y a de beaux petits commerces au milieu de mon cercle. Franchement, et graphiquement il est génial. Hein. Il est super. Allez, tous les petits piétons et tout. Il est génial. Donc, normalement, l'industrie, là, ça devrait se développer, là. Il n'y a pas trop de demandes en industrie, en fait. Du coup, je vais faire une petite... Ils veulent encore du résidentiel, hein, en fait. Il n'y a pas photo, c'est le résidentiel avant tout. Donc, allez, on va refaire des zones. On va refaire de la résidence. Enfin, tant pis si ça détruit les bâtiments. Ah, c'est bon quoi, hein, ça va bien 5 minutes. Voilà, hop. Ah, apparemment, il y a des criminels. Donc, va falloir aussi régler ce problème de crime en faisant notre premier commissariat de police. Alors, les flics. Police. Hey, quand même, 12 000. Je vais faire ici. Ici, c'est parfait. Waouh, ils sont contents! Voilà. Allez, la police! C'est ça, on patrouille, c'est très bien. Je commence à y avoir de la circulation, je commence à avoir du monde. Hein. Si commence à... Ah ouais, ça se développe, c'est bien. C'est bien, ça se développe. Apparemment, tu manques d'eau, toi, là-bas, c'est bizarre. Ah putain, lui, c'est vrai. Bon, j'ai la flemme de détruire, du coup, j'ai reconstruit. Comme ça. Ça va quoi. Hein. Bâtiment abandonné, hein, bien sûr. Ah, j'ai pas d'eau. Putain. Ok. Parc de tilleul qui s'appelle le truc. Non, non, non. Comment je vais appeler ça moi? Comment j'appelle ça? Alors, ah, je sais. Le coin qui pue. Voilà. Le coin qui pue. Mais non!
Fallait que je fasse entrer, non? Je sais pas. Le coin qui pue. Entrée. Voilà, d'accord. Voilà, voilà. Ce quartier s'appelle maintenant le coin... Oh merde, j'ai des problèmes de flotte. Vite, 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 vite. Station de pompage. Ah non, c'est des problèmes d'électricité. Ah problème d'électricité. Il va falloir que je mette autre chose que des éoliennes au bout d'un moment. Parce que là... Parce que là, ça ne va plus. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, c'est reparti. On a eu du bol, on a eu du bol. C'est bon, petite agglomération. Atteint une population de 1500. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Donc j'ai des nouveaux trucs, j'ai un collège. Nickel, je vais pouvoir lancer l'éducation. Qui est... Ah bah j'avais déjà l'école élémentaire que j'avais pas mise. C'est peut-être temps que je la mette l'école. Hein. Parce que regardez, plus c'est rouge, plus ils sont cons. Donc là, ils sont cons, tous cons comme des chaises. Va falloir que je mette une école et très vite. Hein. Donc allez hop, une école. Vous êtes heureux, vous êtes content, c'est parfait. Pas d'électricité. Oui, bah t'attendras. Hein. Ça va les gars là. C'est bon, t'as de l'électricité. Voilà. Problème d'écoulement. Oh là là, j'ai des problèmes d'énergie et tout. Non, 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 non. Attends. C'est combien ça? 19 000. Ah, je vais refaire. Je vais carrément faire une centrale au charbon. Carrément faire une centrale au charbon parce que ça ne va plus. J'ai des gros soucis d'électricité et du coup des gros soucis d'eau, forcément. Ça arrive par intermittence en fait, j'ai l'impression. Allez là, les 19 000 s'il te plaît. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. J'ai pas fait assez attention à ma consommation donc forcément. Voilà, là ça monte, ça monte. Allez, bientôt 19 000. On va placer la centrale à charbon dans le coin qui pue, bien sûr. Allez, c'est bon. Centrale à charbon, c'est parti. Hop là. Voilà, électricité pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et la flotte, c'est bon? Ah non, il y en a qui sont pas couverts par l'eau. Donc voilà, vite fait faire une canalisation. Voilà. Bon, ça se passe plutôt bien. J'ai un peu de mal avec les énergies, hein, ça va un peu vite. Je pense qu'il faut quand même économiser, les laisser un peu se développer. Et attendre un peu tout simplement quoi, que ça se développe tranquillement. Attendre que l'argent monte. Plutôt que de tout construire à la hâte et que voilà quoi, ça fasse n'importe quoi. Bon ben voilà, c'était une petite vidéo comme ça, hein. C'était surtout pour avoir vos avis, si ça vous dirait de voir et de faire ensemble la construction d'une ville A à Z. En tout cas moi, j'en serais ravi. Ça c'est un... Enfin voilà, c'est un jeu de ouf. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. En voyant des vidéos de ce jeu, j'avais envie de rejouer à SimCity. Mais j'ai déjà SimCity, mais j'ai carrément racheté ce jeu-là. Tellement il a l'air génial, quoi. En gros, ils ont refait SimCity en enlevant les défauts que le jeu avait, tout simplement. Bon, il n'y a pas tous les petits trucs décalés, genre le super-héros, le docteur Vu, les trucs futuristes et tout. Il n'y a pas tout ça, ça reste très simple. Mais quand même, c'est peut-être plus sérieux, mais c'est plus poussé. Il y a le feu partout, ça commence... Hey. Oh, les pompiers, là! Ah, bah, il y en a déjà. Ça va, ça va. Les pompiers font bien leur taf, c'est cool. Allez, je vais vous laisser ici. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'un petit let's play sur ce jeu. J'ai pas préparé cette vidéo, hein. J'ai dit sûrement de la merde, ça, il y a de fortes chances. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. C'est une vidéo très courte, mais je vais sûrement faire un let's play, même si vous me dites « Non, non, fais pas ça, c'est un jeu de merde !» Je pense que je vais le faire quand même, en fait, parce que, perso, j'adore ce jeu, donc voilà. Bon, bah c'est tout, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à tous très bientôt pour le let's play sur Homeworld, bien sûr, qui continue, il n'y a pas de souci. Et peut-être... la création de notre ville, la ville où il y aura un coin qui pue aussi, je pense, puisque j'aime bien le coin qui pue. Il y aura plein d'autres quartiers, elle sera gigantesque, elle finira d'une taille incommensurable,
En attendant, ça va être la ville à laquelle je vais jouer en off, m'entraîner un peu, comprendre le jeu, etc. Comme ça, je serai prêt pour la création de notre ville. Et voilà. Attendons, je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!